Respecter notre hiver intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la nature, il y a plein de cycles, comme le cycle des quatre saisons, par exemple. Et je pense que c'est relativement facile de se rendre compte à quel point la nature a bien fait les choses et que chaque cycle nourrit le prochain et permet au prochain cycle de se développer en quelque sorte. Et récemment, on m'a proposé de justement me percevoir aussi à travers ces cycles et d'écouter mon corps, d'écouter mon énergie pour voir un peu où est-ce que j'étais. Et je trouve que c'est une image qui aide beaucoup en fait et qui est très parlante parce que chaque saison a ses caractéristiques. Et par exemple, pour moi, l'automne, c'est le moment où on peut célébrer nos accomplissements, ce qu'on a réussi à faire, célébrer donc le passé mais aussi le présent. Mais aussi, il y a un sentiment de lâcher prise et de voilà, laisser le passé derrière nous. Et de aussi faire le deuil de ce qui a peut-être mal fonctionné ou des choses qu'on n'a pas réussi à faire, etc. Pour pouvoir passer à autre chose après. Pour moi, l'hiver, c'est ce moment où on peut avoir l'impression qu'il se passe rien, alors qu'en fait, on se régénère de l'intérieur. C'est un moment assez silencieux, un peu mystérieux, où voilà, il y a du vide, mais ce vide, il n'est pas inutile en fait. Et il permet justement après au printemps d'arriver. Et le printemps, c'est ce moment avec plein de possibilités. C'est le moment de toutes les portes ouvertes. Le moment où on se sent vibrant, pétillant, vraiment en vie. Et il y a plein d'envies qui naissent et des choses qu'on a envie de faire, des rêves qui se mettent en place. Et ensuite vient l'été, qui est pour moi le moment où voilà, on accomplit nos rêves, c'est le moment où nos désirs se manifestent, où on est au pic de notre énergie en fait, où on arrive à tout créer, à tout faire, le pic de plaisir, enfin, c'est vraiment le moment où voilà, on atteint notre sommet en quelque sorte dans toute cette productivité, les choses qu'on aimerait faire, etc. Et le problème, c'est que notre société, elle est focalisée essentiellement sur l'été, ce moment de productivité où on crée plein de choses. Et on se rend bien compte que ça marche pas sur le long terme, en fait. On le voit avec notre planète, enfin, si tu utilises la Terre tout le temps, tu lui laisses pas le temps de se reposer, eh bien, il y a un moment où elle devient de moins en moins fertile. Et c'est la même chose avec les êtres humains. Si on pousse tout le temps à faire plein de choses, à devoir être tout le temps productif, à jamais se reposer, on se détruit en fait. Et c'est pour ça qu'accorder de la valeur à ce moment d'hiver où on se repose, on se nourrit, on ne fait rien, c'est hyper important. Pour pouvoir aussi créer des étés productifs où on fait plein de choses, parce que c'est satisfaisant de créer des choses. Et donc moi récemment, j'étais dans cet état où j'avais tellement de choses à faire, j'avais l'impression que la liste des choses à faire n'allait jamais s'arrêter, et je n'y arrivais pas. Je sentais que j'arrivais pas à me lever, j'arrivais pas à faire les choses, et du coup je me culpabilisais parce que bah, je me mettais de plus en plus en retard sur mon planning en quelque sorte, et du coup c'était un cercle très vicieux quoi, qui me faisait vraiment pas du bien. Et c'est là où on m'a parlé de ces quatre saisons et de peut-être me dire, mais peut-être que là c'est le moment où mon corps me dit que je suis en hiver en fait, qu'il faut que je me repose, que j'ai passé un an bah, voilà, à faire un certificat de coaching très intense, et que là en fait j'ai besoin d'intégrer tout ça, me reposer et ne rien faire. Et c'était dur à accepter parce que bah moi je sais tout ce que j'ai à faire, je sais que je suis en retard et je peux pas me permettre de arrêter tout ce que je suis en train de faire. Mais j'ai fini par décider que c'était ce que j'allais faire et donc vraiment me calmer. J'ai décidé de garder qu'une activité qui me tenait vraiment à cœur, c'était les vidéos sur internet. J'ai pris du temps pour aller dans mon village en Pologne pour profiter de la neige et d'un vrai hiver. Ça m'a fait énormément de bien. Et en fait, bah, je pourrais avoir l'impression que je faisais rien, que c'était inutile. Mais en fait, à un moment donné, à force de bah, me reposer, prendre soin de moi, tout d'un coup, j'ai eu envie de créer. J'ai eu envie de créer un programme pour les femmes sur 6 semaines qui me tient vraiment à cœur. Et je l'ai écrit en un week-end. C'était hyper rapide, hyper net. Et donc, c'est la preuve pour moi que vraiment, ça a du sens. Et on fonctionne comme ça, en fait. C'est normal qu'on soit cyclique et qu'on ait besoin de se reposer pour être plus productif après. Je pense que c'est rien de nouveau. Je pense que vous le savez, et je le savais aussi, mais je pense qu'on a besoin parfois de se le réentendre dire pour se dire, ah oui, mais c'est vrai, parce que le message ambiant dans la société est tellement à l'opposé de ça que c'est dur de s'accorder ces moments où on ne fait rien. Alors attention, je veux quand même dire que si vous êtes dans un état d'apathie, où vous arrivez à rien faire, vous n'arrivez pas à vous lever, vous vous sentez malheureux, et vous avez peut-être même des idées noires,
C'est pas ça pour moi l'hiver, ça c'est plus pour moi des symptômes de dépression et dans ces cas-là, il faut chercher de l'aide et ne pas rester seul dans ces conditions-là. Pour moi, quand on est dans notre hiver, c'est un moment hyper agréable où on se fait du bien et on sent que ça nous nourrit en fait. Alors la limite de cette métaphore avec les quatre saisons, c'est que bien sûr notre rythme n'est pas exactement le même que celui de notre environnement. Donc on peut être en hiver et nous, à l'intérieur de nous, être en été. C'est-à-dire qu'on est à notre pic d'énergie, on fait plein de choses, on est hyper actif, etc. Alors que dehors, il fait froid et il neige, etc. Donc c'est pas forcément corrélé. Et bien sûr, les cycles peuvent être aussi beaucoup plus rapides. En une semaine, vous pouvez avoir fait les quatre cycles. Enfin voilà, donc ça n'est pas sur le rythme de la nature, en quelque sorte. Mais c'est voilà, une image qui aide, je trouve, à voir le côté... important de chaque saison. Et alors je veux quand même aussi dire un mot sur le fait que bah, quand on a un travail et qu'on a un chef au-dessus de nous, c'est pas évident. Mais je pense que d'en être conscient et de savoir à quel niveau vous êtes en ce moment, déjà ça peut vous déculpabiliser. Que peut-être si vous êtes moins efficace que d'habitude, bah, c'est qu'il y a une raison en fait. Et du coup d'essayer d'adapter tout ce que vous pouvez adapter pour être en accord avec comment vous vous sentez à ce moment-là, c'est-à-dire déjà tout ce qui est les sorties, les amitiés, la famille, faire en sorte que ça corresponde à votre niveau d'énergie et à ce que vous avez envie de faire, mais aussi le travail. Je pense qu'il y a quand même un peu de flexibilité, ça dépend dans quoi vous travaillez, etc., mais d'essayer en tout cas au maximum d'adapter nos tâches, etc. Et en tout cas de se déculpabiliser quand bah, on a moins d'énergie, on arrive moins bien à faire les choses. Alors voilà, je vais m'arrêter là. Mon intention, c'est vraiment de vous inciter à écouter votre corps, à respecter votre rythme naturel, parce que c'est ça en fait pour moi l'amour de soi, c'est de savoir s'écouter et de se respecter en fait, et de se faire du bien et d'aligner nos choix, nos activités avec comment on se sent à l'intérieur de nous. Ça fait un bien fou. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle comme image, si ça peut vous aider ou pas. Et si jamais vous pensez que cette vidéo ou certaines de mes vidéos peuvent aider des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à les partager. Et si vous êtes intéressé par peut-être faire du coaching avec moi, n'hésitez pas à m'écrire, il y a mon adresse email en barre d'infos pour qu'on puisse discuter et voir si un travail ensemble serait approprié ou pas. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à la prochaine.